Bonjour Marie-Claude, bonjour Emmanuel. Bonjour, bonjour à vous deux. Bonjour. Voilà Marie-Claude, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Bonjour Emmanuel. Voilà, et puis ben, on t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler, on t'écoute. Donc tu peux commencer par les points de santé, hein. Les points de santé, surtout arthrose, les chutes que j'ai faites qui sont, que je trouve un peu. J'étais en train d'accrocher quelque chose sur une fenêtre. C'était une baie vitrée qui s'ouvrait pas et je voulais mettre un drap parce qu'il y avait le soleil là pendant la. Et j'ai, en fait, j'ai perdu l'équilibre et je me suis dit que et je pouvais pas m'accrocher et je me suis dit que plutôt que de tomber à la renverse et me casser, me tuer ou me casser le dos, les reins, enfin bon. Et je me suis dit qu'il fallait que je saute en arrière. La seule solution pour éviter le pire. Et ce que j'ai fait, mes talons, il n'y a rien eu de cassé cette fois-ci, mais mes talons ont beaucoup et mes chevilles ont pris beaucoup. Et puis après, il y a 2 ans, là, bah c'était pendant le confinement, oui, je me suis cassé la gueule. Le 15 août, moi qui priais beaucoup Marie, bah, j'ai dit alors là, bravo comme cadeau. Mais moi, j'ai trouvé ça bizarre aussi comme accident. Et je me suis cassé la jambe droite, au niveau, pratiquement presque au niveau de la cheville. Ce qui fait que D'accord. là. Ok, Et jambe droite. de, D'accord. de, de. Donc, ce truc de retard, je ne peux pas. Alors, ça me fait. C'est de l'auto-sabotage ou je ne sais pas quoi. Il y a vraiment. Comme si ma vie était à l'envers, quoi. À chaque fois que je prends une décision, ben, je fais l'inverse ou. Enfin, des trucs. D'accord. Mais on reste sur les points de santé si tu veux bien. Ah oui. Donc, tu me diras après le reste. Donc, tu t'es cassé la cheville, Santé, cheville et talon. audition, gingivite, problème d'intestin, hein, Alors genre, attends, est-ce que c'est excuse-moi, maladie de Crohn ou Marie, pas? Marie-Claude, donc tu m'as dit que tu as un problème d'audition, c'est ça? Oui, j'ai des Voilà. appareils auditifs. Ah d'accord, c'est pour ça que, d'accord, ok. Audition, après tu m'as dit quoi? Arthrose. Le fait de se casser, donc voilà, Là, les fractures, tu l'as dit. et fatigue. Alors, des addictions, que ce soit café, sucre, télé, c'est de pire en pire. Plus j'essaie de me dégager de ça, après je me dis, D'accord. mais oui, mais bien sûr, tu vas y arriver, tu vas voir. Et le café, surtout, il y a très très longtemps qu'on m'avait signalé ça et que je me suis dit, bon, bah oui, bah, c'est pas une affaire, ça, s'il n'y a que ça. Ah bah ouais, eh ben, pas moyen, enfin, c'est invraisemblable, ça. Bon, puis fatigue, perte de sommeil. D'accord. Tu veux dire perte de sommeil, c'est-à-dire quoi? Tu as du mal à t'endormir, c'est quoi? Je pense que c'est les soucis, aussi j'ai des gros soucis Non, non, d'argent. mais je te demande pas l'explication. Tu dors pas la nuit ou tu as du mal à t'endormir? Des fois, je m'endors devant la télé, et puis je monte, et après, je peux plus m'endormir, tu vois. D'accord, sommeil perturbé, quoi. D'accord, ok. Ok. Après, quel autre point Et puis en alors? ce moment, je me réveille à 6 heures du matin, on me dit, qu'est-ce que je vais faire, tu vois, quand tu es à la retraite. Ah, si, il y a du rangement, il faut que je mette de l'ordre absolument dans tout, dans la vie, dans la maison, dans. D'accord. Autre point de santé? Enfin, c'est ça, c'est tout, hein, là. Oui, c'est tout. C'est tout. Alors, les autres Mémoire, points, c'est quoi alors? aussi, bien sûr, avec le problème de mémoire quand même, oui. Mémoire, d'accord. Voilà. Ok. Ensuite, les autres points. Donc, tu m'as dit que tu as été, que t'avais eu de la magie noire, c'est ça, hein? Même par rapport venant de mon ex, enfin surtout de sa femme actuelle, enfin. C'est comme ça qu'elle avait mis le grappin dessus. Et puis après. Mais même ça va jusque sur mes enfants, tu vois. Je D'accord. le sens bien. Ils sont. Donc du magie noire du côté de ton ex, hein? De ton ex-mari, Oui. d'accord? Voilà. Et ensuite? Attends. Ah, bah, des problèmes d'argent. Et il y a du transgénérationnel, certainement, aussi. Et argent, suicide, donc j'ai fait une tentative de suicide, mais il y en a eu d'autres dans la famille.
des deux côtés. Mais Oui. il paraît que j'aurais une ancêtre qui aurait ben justement, qui, et puis qui s'est retrouvée toute seule aussi pour élever ses enfants, pour maintenir, et certainement, et par sorcellerie et tout ça, et elle D'accord. a Alors attends, on va perdu sa écourter parce que ferme, parce que c'est d'une. Marie-Claude, on Oui. va écourter parce qu'on a bien compris que tes problèmes viennent de magie noire et il y a d'autres choses. Mais là, comme je sens des trucs qui sont un peu bizarres, on va écourter, d'accord? Parce qu'il faut qu'on traite tout de suite là. D'accord? Oui, Hein? je Donc suis là, d'accord, oui, tout bah, Emmanuel, tu sens des choses ou pas? Parce que moi, je ne sens pas bien. Je sens des étourdissements. Donc on va traiter tout de suite. à fait. D'accord? Oui, il y a des Ah oui. perturbations, oui. Voilà. Ah Hein? oui. Donc on va Oui. arrêter là. On a compris que tous les problèmes viennent de. Il y a beaucoup de magie noire et je sens que c'est puissant. Donc je te laisse couper le son et on part tout de suite pour Il y l'aventure. aurait, enfin, on avait détecté à un moment donné un, je sais pas, peut-être une réincarnation de Joséphine Non, de. non, mais ça, je ne veux pas le savoir. On verra bien. Ah Ça, bon, c'est des trucs qu'on t'a c'est. dit. On va partir à l'essentiel. Par contre, les invitations, qui veux-tu inviter? Par contre, les Qui veux-tu inviter pour ta séance? invités, pourquoi? Bah, tu as l'habitude de voir nos vidéos ou pas? Oui, mais j'ai pas. Bon, alors, enfin, on invite en fin de séance les personnes que tu aimes pour qu'elles puissent participer sur d'autres plans, hein, pas personnellement, pas physiquement, mais sur d'autres Eh plans. bien, Donc, peut-être, tu ben peux inviter justement. la famille, les parents, qui tu veux. Non, mais c'est Les enfants? Evelyne. Evelyne. Ah oui, mes Non, enfants. mais Ah ne oui. cite pas de prénom, s'il te plaît. Ah Je oui. t'ai dit, pas de prénom. Donc, tu peux inviter tes enfants, tu peux inviter ton ex, tu peux inviter tes parents. Au niveau des désincarnés déjà, qui veux-tu inviter? Oui, bah pourquoi pas mon ex? Mais Mes tu veux enfants. tes enfants, tu veux les inviter? Tes trois enfants? Oui. Voilà, tes trois enfants. Et puis donc cette amie qui m'a fait te connaître. Ton ex et l'ami. Ok, ta famille en général ou pas? La famille. Tu veux Bon, inviter ta famille en général ou pas? je n'ai pas de famille, j'étais fille unique. Donc tes parents sont décédés alors, on est d'accord. Oui. D'accord. Aussi Donc, bizarre, en tout cas pour mon père. on invite tes trois enfants, ton ex, c'est ça? Oui. L'ami qui t'a fait me connaître? Oui. Hein? C'est ça. Tu as des amis de cœur ou pas? Oh. Non, t'as pas Non. d'amis proches? Si, peut-être un ami, tiens, oui. Amis de cœur? Un ami. Un ami, d'accord, ok. Donc, on l'appelle ami de cœur ou comment tu veux? Non, pas spécialement. C'est un Enfin, ami masculin ou féminin? oui, masculin, oui. Masculin, d'accord. Alors, au niveau des désincarnés, tu peux choisir deux personnes. Qui choisis-tu? Ma grand-mère maternelle. Alors, grand-mère maternelle. Oui, et qui d'autre? Au niveau de tes parents, non, tu n'es pas intéressé. Oui, ma mère. Et ta mère. D'accord. Bien. Alors, je t'ai montré comment on coupe le Par son. rapport à mon ex, c'est pas un ami, hein. Non, 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 mais tu Est-ce veux que c'est l'inviter quand vrai? même si tu veux. Oui, Oui, peut-être hein? que oui, que ça éclaircisse un peu les Voilà, choses. hein? Bon, c'est un nettoyage, ok. Je te laisse couper le son. Bien. Alors, maintenant que tes protections et connexions sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? Stabiliser 310. Bien. Alors maintenant, tu vas l'augmenter en tenant compte, bien sûr, de la situation. Il faut que tu choisisses une fréquence qui soit suffisamment au-dessus pour être hors d'atteinte et même hors d'influence. 42 300. Est-ce qu'à 42 300, tu te sens suffisamment hors d'atteinte et hors d'influence? Oui. En parfaite sécurité. Oui. Bien. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois.
Stabilisé 380. Ok, donc la bousculade n'a pas eu d'influence sur ma fréquence. Non, c'est revenu stable. Ok, alors je m'aligne sur toi à 42 300. Oui. Est-ce que c'est correct là? Oui, c'est correct. Bien. Alors, maintenant que tu es suffisamment protégé, que moi aussi, tu vas te connecter sur Marie-Claude et dis-moi comment tu l'aperçois. Et s'il y a la moindre anomalie, tu me le signales. Mmh. Elle est derrière une sorte de rideau d'eau sombre. C'est comme derrière une sorte de cascade d'eau. Mais oui. C'est tout, elle est noire, elle est noirâtre. Et quand je tourne autour, c'est tout autour d'elle. D'accord. Tout autour d'elle, même au-dessus, en dessous. Ça vient la recouvrir en quelque sorte complètement. D'accord. Comme une sorte de sphère noirâtre et mouvante. Et elle se trouve à l'intérieur. C'est comme une sorte d'eau ou de plasma noirâtre, brouillé et mouvant. D'accord. Donc je suppose que ça la coupe de tout ça. Oui, ça la décale complètement. On va dire du consensus commun de la réalité perçue par l'ensemble des humains. Elle est en décalage. Mmh. Ok. C'est un décalage d'espace-temps, littéralement. Mmh. Elle est dans une sphère de réalité personnelle qui est décalée de la réalité des autres humains. Bien. Qui a pour objectif de mieux la manipuler et la diriger. Bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Tout est brouillé, en fait. Tu veux dire de brouiller à tes perceptions ou c'est brouillé autour d'elle et en elle? C'est brouillé autour d'elle et en elle. D'accord. Qu'est-ce qui est brouillé exactement? Ses chakras sont brouillés. Le fonctionnement de ses chakras est affaibli, diminué et brouillé. Ça l'empêche d'avoir une connexion tertielle correcte. Il y a une sorte de chape qui recouvre sa glande pinéale. Ça la décale et ça la coupe aussi. C'est comme si elle était dans une sorte de prison énergétique. Et oui. Sa glande pituitaire, c'est comme si elle subissait l'influence d'une sorte de rayon qui vient... ça vient modifier complètement ses perceptions. Qu'elle soit sensorielle ou extrasensorielle. Oui, d'où est-ce qu'il vient ce rayon? Il vient d'une sorte de... On dirait une sorte de sabre. C'est pas réellement un sabre, mais c'est long. Comme une sorte de canne ou de sabre, quelque chose comme ça. Et c'est l'extrémité de ça. De cette chose-là qui transmet ce rayon. D'accord. Et d'où est-ce qu'il vient ce sabre ou cette canne? C'est comme une sorte d'arme, on dirait une sorte d'arme de guerre. Il y a un draco reptilien qui en est à l'origine. Il dirige. D'accord. Draco reptilien. Il est tout seul, il y en a plusieurs. Il y en a un qui tient cette chose-là. Et ça permet de la diriger un peu comme une marionnette, tu sais, à distance. Mmh. Mais il y en a trois autres en arrière-plan. Donc, ils sont quatre. Oui. Bien.
Alors, qu'est-ce qu'ils font avec elle exactement? C'est quoi leur intention, leurs objectifs? Ils jouent avec elle. C'est comme une sorte de... Tu sais ce jeu, le bilboquet? Oui. C'est un petit peu comme si avec elle, ils jouaient à ce jeu-là ou quelque chose de similaire, elle-même étant la sphère, la boule du jeu. Ils sont reliés, et celui-ci principalement, là, avec cette sorte de canne, par ce rayon qui ne va pas en droite ligne, il peut se déformer, comme le fait la ficelle du jeu, s'étirer, se déformer. Ça permet toujours de l'avoir à proximité, c'est comme une sorte d'élastique. Leur objectif, c'est le jeu, mais une sorte de jeu pervers. D'accord. Une sorte de jeu pervers et sadique, mais qui n'a pas d'autre objectif que leur distraction. D'accord. Bien. Alors, on va regarder depuis combien de temps est-ce qu'ils sont avec elle la toute première fois. 1, 2, 3. C'est depuis 13 incarnations. 13 incarnations. On va aller voir ce qui s'est passé alors. Comment est-ce que ça s'est passé? Ils se sont approchés. Il y a un enfant, un bébé dans un berceau. Ils se sont approchés d'elle. Elle, c'est le bébé. Ils se sont approchés de l'enfant. Oui. Et ensuite? Des ombres noires qui s'approchent. Elle a eu peur. Et puis immédiatement, ces ombres noires sont devenues lumineuses, dégageant quelque chose d'aimant et de maternel. Et là, elle s'est abandonnée en quelque sorte à cette présence aimante et maternelle, rassurante pour elle. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ça a permis l'accroche à partir du moment où elle s'est abandonnée à cette présence-là. C'est comme si elle avait été ferrée, en quelque sorte. Et ça a permis l'installation au niveau du troisième œil, l'installation de cette sorte d'élastique énergétique qui est toujours là maintenant. Bien. C'était du sexe masculin, féminin, ce bébé? Féminin. Ok. Et nous sommes dans quel pays, là, à quelle époque? Ce qui vient, c'est Pologne. Pologne, c'est 18e siècle. 18e. Bien. On n'est pas là pour faire l'historique. Mais... L'accroche a été difficile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette sorte d'élastique énergétique a été ferrée, la physicalité de ce corps-là, de cet enfant, a eu du mal à résister. Il y a eu plusieurs incarnations courtes jusqu'à ce qu'elle arrive à s'adapter à cette accroche, à ce ferrage. D'accord. Cette incarnation, donc, dans ce bébé-là, elle a duré combien de temps alors? 6 mois. 6 mois. Elle a quitté son corps à 6 mois. Oui. Donc, elle n'a pas supporté cette installation. C'était trop fort pour elle. D'accord. Petit à petit, les incarnations suivantes sont devenues de plus en plus longue, puisque petit à petit, elle s'est adaptée à cette interférence-là. Et la toute première fois, c'était aussi pour s'amuser qu'ils se sont, intéressés à elle? Oui, ils cherchent des consciences humaines qui soient suffisamment résistantes à ce type d'interférence-là. Et il n'y a que le jeu qui les intéresse? Oui, parce que ce qui est nommé jeu, c'est comme une sorte de,
d'occupation qui vient combler leur ennui. D'accord. Il n'y a pas de soutirage énergétique. Ils se nourrissent ça fait pas partie. Le soutirage énergétique fait partie du jeu. Ah, donc quelque part, ça les nourrit. Il est, oui, ce soutirage énergétique est puissant. C'est pour ça que la plupart des consciences, on va dire ferrées, ne résistent pas. Donc, il est assez rare de trouver des supports humains qui résistent. Donc, suffisamment fort pour résister à leur, c'est à ça. Leur jeu. C'est ça. Elle a réussi à s'adapter. Donc, elle a une nature qui est assez forte au départ, alors. Oui. Bien. OK. Combien est-ce qu'elle a eu de vie humaine sur Terre en tout ? 40 vies. Dans cette boucle de manifestation du sort supérieur, hein, bien sûr. Mm-hmm. Sachant qu'il y a de multiples boucles, infinies même. 41 vies humaines. Oui. Dans cette boucle. Bien. On va aller voir, avant qu'elle entre dans cette fausse matrice, d'où elle vient et sous quelle forme. Donc je compte à 3 et ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. Humanoïde féminine. Avec des grands cheveux foncés, bruns. Ce n'est pas la même texture que des cheveux humains. Les yeux sont plus grands aussi, irisés, pailletés. Elle est plus grande aussi, habillée d'une sorte de combinaison argentée. Ouais. Elle est dans un vaisseau, c'est un vaisseau d'exploration. C'est un vaisseau d'exploration des systèmes solaires. Oui. Il est allongé. C'est ovale. C'est ovale. C'est-à-dire c'est ni rond ni long. C'est entre les deux. C'est ovale. D'accord. Et elle vient d'où ? Alors d'où vient ce vaisseau ? Ça vient de notre univers, mais de la limite de notre univers et qui se déplace entre les galaxies et en visite des systèmes solaires. D'accord. Et c'est quoi leurs intentions, leur mission ? C'est comme une intention d'exploration dans un désir de remettre à jour leur cartographie existante. Ah, d'accord. Comme si ça n'avait pas été fait depuis longtemps. Il y a eu des modifications qui gênent leur déplacement. Et notamment en termes de... Ce qui vient, c'est d'échanges commerciaux. Donc, il y a une urgence de remise à jour de leur connaissance. D'accord. Ils viennent d'une planète, d'une étoile. D'où est-ce qu'ils viennent ? C'est une planète. Une planète, elle s'appelle comment ? C'est Kaistos. K-A, il y a un tiret, un autre A, un tiret, un Y... ST, et puis AUS, mais avec une sorte d'accent sur le AU. D'accord. Et c'est une planète en quelle dimension, là ? Cinquième dimension. Elle comporte une troisième ou elle commence à la cinquième ? Elle commence à la cinquième. OK. Donc, le vaisseau est en cinquième dimension. Oui. Bien. Donc, ils sont là pour refaire la cartographie, pour faciliter les échanges commerciaux. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette forme d'existence pour qu'elle se retrouve en incarnation alors ? Il y a eu attaque des draco-reptiliens dans notre espace, non pas l'espace terrestre, mais dans notre système solaire. D'accord. Et ensuite ? Le vaisseau s'est approché trop près de l'espace terrestre, du point de vue des assaillants. Mmh. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? Le vaisseau a été détruit littéralement. Et
les consciences qui ont été à l'intérieur, soit détruites, soit intégrées dans l'espace terrestre, dans les roues d'incarnation. Bien. Donc, c'est ce qui s'est passé pour Marie-Claude. Oui. Et quand tu dis que les consciences sont détruites, une conscience, ça ne peut pas se détruire. Tu veux dire que ce sont leurs véhicules de la conscience qui est détruit, non? Leur Merkaba a été détruite et les consciences morcelées. Qu'est-ce qu'elles deviennent, les consciences, dans ces cas-là? Elles sont morcelées et dispersées. On peut dire que ces fragments de conscience dispersés se retrouvent à errer jusqu'à ce qu'ils puissent reconstituer. Se réunifier. Se réunifier. Et pour se réunifier, il y a besoin d'événements particuliers ou ça se fait naturellement au bout d'un certain temps? Ça se fait naturellement au bout d'un certain temps. Parce qu'on appelle le temps, puisque dans cette dimension, il n'existe pas. Mmh. D'accord, ok. Bien, donc elle est intégrée dans les réincarnations, et là, ça fait 41 vies humaines. Mmh. La première vie qu'elle a, première existence sur Terre, c'est en tant qu'humain ou elle a eu des existences sous d'autres formes avant d'être humaine? En forme humaine. Humaine. Très bien. Donc, tu reviens ici et maintenant. Oui. Est-ce que ces Dracos sont de la même origine que ceux qui ont été à l'origine de cette agression? Est-ce que ce sont les mêmes? C'est une de leurs factions, oui. Ça veut dire qu'ils ont gardé un œil sur elle pour dans l'incarnation? C'est une de leurs factions qui est alors non pas prisonnière, mais qui est affectée. Prisonnière en même temps, en quelque sorte, ou on peut dire en garnison, dans l'espace terrestre. Lorsqu'elle s'est incarnée la première fois sur Terre, à la suite de cet événement, c'est eux qui ont géré son incarnation pour pouvoir avoir la main sur elle? Non, elle a été perdue de vue. Et comment ils l'ont retrouvée alors? C'est son niveau de fréquence qui les a intéressés. D'accord. Ils ne l'ont pas retrouvée, elle, spécifiquement par rapport à ce qui s'était passé précédemment. Ils l'ont retrouvée via son niveau fréquentiel. Ils ont reconnu sa fréquence. Oui. Ils l'ont reconnue comme étant une des passagères de ce vaisseau. Oui. D'accord. Ok. Bien. Alors, reviens ici maintenant. Oui. Si tu la scannes encore, est-ce que tu vois d'autres dispositifs qui n'ont pas été vus? Il y a des sortes de... Ça ressemble à des menottes. Sauf que c'est plus ou moins large, plus ou moins serré, suivant les articulations. Il y en a sur toutes les articulations du corps. Mmh. Ok. C'est à l'origine de son arthrose, hein? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Ça crée une... comme une déperdition d'énergie dans ces zones-là. Mmh. Des fuites énergétiques. Donc l'objectif, c'est de l'immobiliser, c'est ça? Oui. De la garder sous contrôle. Mmh. C'est comme une sorte de double serrure de contrôle. Que vois-tu d'autre? En plus de la serrure numéro 1 sur la glande pinéale et la glande pituitaire. Mmh. Ensuite, donc, mais c'est ce qui était vu tout à l'heure. Il y a les fonctionnements de ces chakras principaux qui sont affaiblis. Tous brouillés. Et brouillés, oui. Et qu'est-ce qui les brouille? C'est toujours ce même rayon ou il s'agit d'un autre dispositif? Non, c'est ce qui l'entoure. C'est cette sorte d'eau, plasma, sombre,
qui vient entourer et exercer comme une pression autour de sa sphère énergétique. Et ça vient affaiblir le fonctionnement de ses chakras. Ça vient faire replier, se recroqueviller sur eux, ses corps subtils. Donc, autrement dit, ça agit sur toute sa physicalité, sur toute sa biologie. Alors, oui. Si ça affecte tous les chakras, ça les affecte à tous les niveaux. Oui. Donc, système endocrinien et tout le reste. Oui. Oui, d'accord. Bien. Est-ce que tu vois d'autres choses? Non, pour l'instant, non. Bien, c'est déjà pas mal. Alors, regarde ton ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de Marie-Claude, et dis-moi si tu vois une portion de cet ADN qui n'appartiendrait pas à son essence. Non, c'est le sien. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Bien, puisque nous avons son accord, en son nom, je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ces quatre dracos, qui vois-tu d'autre? Il y a des entités démoniaques, mais elles se bousculent, hein, il y en a beaucoup. Les plus puissantes repoussent les plus faibles en arrière. Elles sont dans une lutte de territoire. Oui. Là, ce sont des opportunités, des opportunistes ou... Des opportunistes, oui. Elles viennent se coller à elle et la bousculer. D'accord. Ensuite, qui vois-tu d'autre? Il y a des désincarnés aussi qui sont là, mais parce qu'ils sont dans cette même bande de fréquence. Mmh, et eux aussi sont bousculés. Mmh. Ok. Et puis, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan archontique. Bien. Alors, à part tout ça, est-ce que tu vois des parasites à l'intérieur sur et autour d'elle? Oui, dans son système digestif, il y a des sortes d'amibes. Ça n'a pas de forme précisément. C'est un peu gluant, transparent. Et ça vient c'est gluant, ça vient se coller là, sur les parois de son système digestif. Qu'est-ce que ça lui crée comme problème principalement? Ça vient gêner la gestion de l'absorption des aliments, la gestion de son énergie et la gestion de son énergie vitale. Ok. Est-ce que c'est bon? Ça vient gêner la gestion de l'absorption des aliments, la gestion de son énergie et la gestion de son énergie vitale. Ok. Est-ce que c'est bon? C'est bon oui, pour c'est toi bon. Alors elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, dans toutes les couches, toutes les vies, toute fréquence, toute dimension, tout espace-temps, par toutes ces bulles de création, ces portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archiavélique, tout dispositif, vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Nous la plaçons dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement, non, jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui.
Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence au-delà de toute forme. Oui. Comment la vois-tu à présent ? C'est beaucoup plus stable maintenant. C'est clair à présent dans son espace énergétique. Mais par contre, il y a beaucoup d'échos et de résonances à l'extérieur, et même qui viennent, ces échos et résonances viennent toucher la surface extérieure de sa sphère énergétique. Bien, alors avant de s'occuper de ça, je veux que tu regardes ces dracos, je veux savoir comment ils réagissent face à cette situation. Et surtout s'ils prennent des dispositions dans ce qu'on appelle le passé, présent, futur. Il y a comme une sorte de rafale, tu sais, comme quand tu prends des photos en rafale. Ils figent en rafale, comme s'ils prenaient des photos de situation en rafale. Et tout est figé pour pouvoir être réutilisé. Bien, alors on va les figer eux-mêmes, on fige tout. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Tu vas faire l'inventaire de toutes ces photos, toutes ces rafales. Oui. Voilà. Est-ce qu'ils sont intervenus sur d'autres plans également ? Chaque photo, je ne sais pas comment le nommer autrement, correspond à une ligne de temps. Ça, je m'en doutais. Très bien. Donc, tu fais l'inventaire de toutes. Tu n'en laisses aucune. Oui. Tu vas ouvrir un grand portail dimensionnel. Tu vas tenir compte de la bulle de réalité de Marie-Claude, mais également de la tienne et de la mienne. Oui. Voilà. Et je compte à 3 et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu fermes le portail derrière eux et tu l'effaces. C'est fait. Maintenant, tu reviens sur Marie-Claude et dis-moi, qu'est-ce que tu vois qui reste à l'intérieur et autour de sa sphère ? À l'intérieur, rien, mais à l'extérieur, il y a toujours ces échos et résonances. Alors, nous éliminons tout depuis leur propre racine, leur propre source. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelque chose. Oui, il y a encore des résonances. Bien, alors on élimine également depuis leur propre source. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà, donc vérifie encore. Là, il n'y a plus rien. Ok. Tu fais un scan fréquentiel, on est d'accord, hein ? Oui. Plus rien. Il n'y a plus rien. Bien. Alors, on va regarder sur soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Il est décalé. Il est bloqué sur le plan archiavélique. Je m'en doutais. Donc, il n'est pas en position de prendre des décisions. Non. Bien. Comment tu vois son âme ? Elle est repliée sur elle-même, recroquevillée. Il y a comme une sensation d'étouffement au niveau de l'âme. Ok, et sa partie subliminale ? Je la vois pas. Ah. C'est comme... Alors, elle n'est pas dissoute, mais... Elle n'est pas autour d'elle. Et même en allant plus loin, elle ne se montre pas. Est-ce que tu veux dire qu'elle est cachée ou est-ce qu'elle est elle-même retenue quelque part ? Elle est dans une capsule. Comme une sorte de capsule glacée. C'est comme une sorte de plan B. Pour pouvoir, de cette base-là, recréer des situations. Tu peux utiliser une capsule retenue par ces dracos ? Oui. Qu'ils la retiennent en plan B, en prévision de ce qu'on est en train de faire, par exemple ? Oui. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il convient de faire ? Est-ce que dans le processus qu'on suit habituellement, elle va disparaître naturellement de ce vaisseau ou on doit agir spécifiquement maintenant ?
Il faut la libérer de la capsule. Tout de suite. Ok. Alors, c'est ce qu'on va faire. Ok. Donc, je vais compter à 3. Et elle va sortir de cette capsule. 1, 2, 3. Oui, il faut l'entourer d'une sphère de protection tout de suite. Allons-y. C'est fait. Voilà. Est-ce que tu vois que maintenant, elle est hors de portée, hors d'atteinte et hors d'influence? La connecter à la source. Allons-y. La connecter à la source. C'est fait. Bien, maintenant, elle va se connecter jusqu'à sa physicalité. Oui. En passant par son âme. Ça se resserre, ça devient trop dense. Donc, tu laisses l'âme, c'est pas encore bon. Donc, directement à la source et à sa physicalité. Est-ce que c'est correct là? Même au niveau de la physicalité. Alors, on la connecte directement à la source. Serré. Alors. Trop serré. D'accord. Oui, oui, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Donc, direct à la source, est-ce que c'est mieux pour elle? Oui, là, c'est correct. Bien. Tu la vois hors d'atteinte? Oui. Parfait. Et ce vaisseau, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il n'est plus dans sa bulle de réalité ou faut l'expédier? Il n'y a pas de vaisseau. Il était prisonnière dans quoi alors? Une capsule qui était où? C'est dans un repli de la quatrième dimension. D'accord. Alors, est-ce que ce repli de quatrième dimension, maintenant, est hors du champ de réalité de Marie-Claude et de nous-mêmes? Il est toujours là présent en arrière-plan. Voilà. Alors, tu ouvres un portail dimensionnel et on le vire également. 1, 2, 3, pour nous trois. C'est fait. Alors, puisque nous y sommes, vérifie s'il y a d'autres sauvegardes, puisqu'ils sont astucieux, qu'ils ont des connaissances. Non, pas que je perçoive là. Bien. Ok. Alors, puisque le sens supérieur n'est pas en état de prendre une décision compte tenu de sa situation, je vais la prendre pour lui-même. Donc, nous allons recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à tout son potentiel intérieur, dans sa parfait équilibre et intégration, dans son unité et dans l'amour qu'elle est. Donc, est-ce que ça te semble correct? Oui. Alors, on y va. 1, 2, 3. Oui. Alors, de ce plan moronciel, cette partie d'elle qui y réside, et je suppose qu'elle sait pourquoi nous sommes là. Oui. Elle est parfaitement saine et n'est pas atteinte. C'est correct. Bien. Donc, je propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Marie-Claude pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à tout son potentiel intérieur dans un équilibre et une intégration parfaite dans l'unité et dans l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la fausse matrice. 1, 2, 3. Oui. Alors sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, quels sont les projets pour Marie-Claude? Il y a la notion d'apaisement, expérimenter la condition humaine dans l'apaisement, la clarté, la simplicité. Il y a quelque chose de lumineux et d'apaisé. C'est dans ces conditions-là, expérimenter la condition humaine dans ces conditions-là. D'apaisement et de clarté. Bien. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa physicalité, donc à 100%? Au moment de la conception. Ok, et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence? Oui. À présent, nous allons voir son arbre généalogique. Je veux que tu me dises toutes les anomalies que tu constates. Il y a une sorte de torsade noire tout autour de l'arbre généalogique qui vient
comme le lierre autour d'un arbre, tu sais, l'enserrer et l'étouffer. Quelles conséquences ça a sur les âmes qui sont incarnées? Ça les place dans une sorte de climat d'anxiété, de séparation les unes des autres, d'incompréhension. Ça vient créer des clivages entre les consciences. Ça joue sur le psychisme, sur l'émotion, sur... À tous les niveaux. À tous les niveaux. Ça se manifeste différemment suivant les consciences. D'accord, ok. Bien, alors, demande à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Alors, tu vas aller à l'origine de ces situations à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière, là? Quatre-vingt-trois générations, bien. Est-ce que c'est elle qui l'a choisie, cette incarnation et cette lignée, ou elle a été poussée ou induite? Non, elle a été poussée. Poussée, hein? Ok. Manu militari, quoi. Oui. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à 83 générations en arrière, donc à la naissance de cette situation. Qu'est-ce qui se passe exactement? Au sortir des roues d'incarnation, il y a comme une sorte d'aspiration vers des basses fréquences, des lignées qui passent par là. C'est des puissances démoniaques, mais qui sont assez puissantes et qui viennent placer ces sortes de lianes sombres autour des lignées. Bien. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu t'approches de lui à ce moment-là, tu lui montres ce qui pourrait s'en suivre si rien bien fissure n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créative pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Qu'est-ce qu'il choisit de faire? Une montée en fréquence puissante et immédiate, qui le place immédiatement hors de la portée de perception de ces entités-là, hors de cette zone-là. Bien, nous allons compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui? Ça devient de suite beaucoup plus léger, fluide, clair et lumineux. Toutes les consciences qui y sont rattachées. Parfait. Maintenant, je veux que tu reviennes ici et maintenant et que tu me dises comment ça impacte Marie-Claude. Et cette sorte de gang anxiogène s'est dissipée. C'est beaucoup plus léger en elle et autour d'elle. Très bien. Clair et léger. Alors, tu vas l'inviter à enrouler son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre essence. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Demande-lui à présent ce qu'elle veut faire avec son arbre. Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle coupe à 30% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Dis-moi lorsque c'est fait. C'est fait. Bien, maintenant on va s'occuper de son ADN. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Alors on élimine l'ancien avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence. Système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices présentes, combien sont connectées et combien sont activées? Il y en a 5 de connectés et 3 d'activés.
Est-ce qu'elle peut activer les deux autres? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également. Et dis-moi quelle différence ça va faire pour elle. Ce sont des programmes de renforcement, de stabilisation et de sécurisation de sa base énergétique. C'est fait. Bien, maintenant nous allons nous occuper des programmes archontiques et de ceux de l'intelligence artificielle. Tous les programmes de séparation, dualité, limitation, etc., de l'expression, de l'expérience et de la manifestation humaine et de son expansion, et ainsi que de toutes ses parties. Est-ce qu'elle est OK avec ça? Oui. Alors on élimine tout sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Elle les remplace par ses propres programmes avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. À présent, elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 79%. Alors tu l'invites à monter à 100% tout en vérifiant ses racines. Oui. À présent, elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, en dehors de toute forme, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre et une intégration parfaite, et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issues de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, dépassés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Elle déclare que toute... que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Voilà, j'ai eu un petit bug, mais ça se passe bien. Allez, et je vais conseiller à Marie-Claude d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin. Donc, pour faciliter les intégrations, évidemment. Donc, vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé. Et j'invite les personnes qui verront cette vidéo à en profiter, comme d'habitude, pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archaïques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité, dans les mêmes conditions que celles précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous allons éliminer les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être et qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Maintenant, vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Très bien. Donc, elle intègre tout ça dans tous les différents états de conscience.
Oui. Maintenant, elle déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations ou associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons travailler la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Marie-Claude, tout y est proposé. Elle fera elle-même le tri. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le je dans la forme humaine ou autre, n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare. Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, d'harmonie, de bonheur, de créativité, d'amour, d'abondance, etc., etc. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant, je suis libre. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare. De mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus dans toutes les boucles, toutes les vies et toutes les couches. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents,
compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection, et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus productif. Oui. Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends à présent la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine, sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. Nous allons à présent effacer les mémoires akashiques. Elle ne conserve que ce qu'elle estime juste et bon pour elle, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. C'est fait. À présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques ou tout autre moyen de la repérer. Non, il n'y en a pas. Alors elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? C'est une forme humaine. Elle crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi lorsque c'est fait. C'est fait. Elle demande à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, nettoyages, auto-guérisons, etc. De tous ses corps, de toute sa biologie, ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Connecté. La cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la puissance de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature. Oui. Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre les vaccins, quelle qu'en soit la version. Oui. Et un contre les vaccinés, quelle qu'en soit la version reçue. Oui. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Et qu'ils soient en même temps adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation et activation dans les deux sens de l'arbre de création.
C'est fait. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double l'hémiscate activé. Oui. Et à présent, elle crée son code de vie et l'active également. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Nous travaillons maintenant sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais tout d'abord éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. sur tous les plans, pour chacune des parties. Comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour énergie, pour recevoir énergie, vitalité, structure et énergie, vitalité, structure et substance. Voilà, je vais y arriver. Oui. Et à son essence pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, elle déploie une onde tourbillonnante, puissante, dorée et argentée. Cette onde s'expanse, elle vient englober tout son espace physique et énergétique, et elle vient se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Là, elle se place au centre, elle déplace doucement son atlas, ça vient le dégager et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres, et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance tout au long de sa descente, arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres. C'est des mémoires compressées et des traumatismes. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source, jusqu'au chakra coronal. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille, pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes, en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux se recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Système cérébro-spinal. Oui. Système nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Système endocrinien, glandes immunitaires et hormonales. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire, évacuation et élimination. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, nous éliminons toutes les programmations sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécuriser et activer. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire avec le tableau général. Oui.
Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux, organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Oui, elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel sur lequel elle vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Donc ça crée des vibrations, des résonances dans chacun de ses tissus, organes, systèmes, jusqu'au cœur des cellules, dans chacun de ses muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est bon. Micro-kiné. Elle vient actionner les points de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est bon. Massage métamorphique. Elle vient adapter à ses propres fréquences, cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Nous travaillons à présent sur le système des chakras et des glandes associées. Je veux tout d'abord que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe flore de vie, graine de vie et double l'hémiscate activé. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7 activés. C'est bon. Bien. Comment tu vois tous ces chakras à présent? Correct. Bien. L'énergie circule librement. Alors, centrage et alignement? Oui. Stabilise, sécurise et pérennise? Oui. À présent, nous allons travailler sur l'équilibrage et l'harmonisation des 5 éléments. Et nous commençons par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui. Là aussi, tu stabilises, sécurises et pérennises. C'est fait. Et maintenant, nous travaillons sur le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche l'expression, le ressenti et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreintes, échos, résonances, réminiscences, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées avec l'implant neutre pour les mettre au point zéro. Équilibré. Et pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Oui. Alors, comme il y a de nombreux points de santé, on va travailler déjà sur la physicalité globale et dans tous ses corps. Mm-hmm. Donc, tu vas repérer toutes les souffrances, tous les dysfonctionnements, tous les traumatismes, les habitudes de fonctionnement, enfin, etc., etc., jusqu'aux échos et résonances. Oui. Voilà. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Que chacune des parties concernées soit réinformée et stabilisée. Oui. C'est bon ? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Apport d'énergie équilibrante et de vitalité par son élémental. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Voilà. Donc maintenant, on va regarder les points en détail. Donc, il s'agit bien sûr de l'ancienne ligne de temps hein, pour obtenir des compréhensions et affiner le travail.
Donc, elle a eu plusieurs chutes. Hein. Voilà, on ne va pas les détailler. Donc, notamment, cheville et talon atteints, fracture de la jambe droite et cheville. Regarde, est-ce qu'il en reste quelque chose ici et maintenant? Oui, il reste encore des traces traumatiques avec écho et résonance. D'accord. Alors, avant d'éliminer ça, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que ça a été provoqué ou... Oui, c'est ces sortes de bracelets d'étau là, qui serraient au niveau des articulations et qui, activés et tirés de manière dissonante, provoquaient des déséquilibres et créaient des situations. D'accord. Donc, on va éliminer tout ce que tu as vu. Allez. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Voilà, que toutes les parties concernées soient réinformées et stabilisées. Oui. Connecté au cardiaque, cœur de Gaïa, essence. Oui. Apport d'énergie, vitalité. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Voilà. Alors, est-ce que tu vois qu'il est besoin d'une intervention particulière pour ces parties? Et même pour son squelette en général et articulation. Un apport d'énergie spécifique. D'énergie vitale spécifique pour le système osseux et les articulations. Je te laisse faire, tu me diras quand c'est fait. C'est fait. Est-ce que tu vois que l'autre chose est nécessaire? C'est bon. Alors, tu stabilises, sécurises et pérennises tout ça. Oui. Bien, problème d'audition. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est lié au dispositif qu'elle avait dans la tête, mais surtout à l'influence de ce rayon-là qui venait intervenir directement sur la pituitaire. C'est les résonances de ce rayon-là qui venait comme exploser littéralement dans tout le reste de la tête et qui venait modifier et affaiblir ses perceptions sensorielles, mais extrasensorielles aussi. Ok, donc ça ne touche pas que sa zone auditive, ça touche toutes les perceptions, tout le système perceptuel. C'est ça, c'est tout l'ensemble qui est décalé. Voilà, donc on va travailler l'ensemble en général. Donc regarde, est-ce qu'il en reste quelque chose là? Oui, des traumatismes avec résonance et écho. Alors on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. On réinforme et stabilise chacune des parties concernées. Oui. Connecté au cardiaque, cœur de Gaïa, essence. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Voilà. Maintenant, reviens sur le système auditif. Plus spécifiquement, est-ce que tu vois que quelque chose est nécessaire? Oui, il y a des recalibrages à faire, comme des rééquilibrages. Allons-y. Tu me dis quand c'est fait? C'est fait. Est-ce que tu vois d'autres choses? Un apport d'énergie vitale spécifique pour maintenir cet équilibre. Allons-y. C'est fait. Vois-tu d'autres choses? Non. Bien, donc tu stabilises, sécurises et pérennises. Oui. Et en profiter pour regarder le système neuronal et celui du système nerveux central. Là aussi, il y a des rééquilibrages et des reconnexions à faire. Très bien. Donc, est-ce que tu as des choses d'abord à éliminer? Oui, des empreintes traumatiques, hein, avec traces, échos et résonances. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu vas tout d'abord recréer toutes les connexions. Oui. Réinformer chacune des parties et stabiliser. Oui. Connecter au cardiaque, cœur de Gaïa, essence. Oui. Là, tu vas faire les rééquilibrages. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Comment tu vois tout son système nerveux central et donc neuronal? Tout est correct maintenant.
le passage de l'énergie et de l'information est donc maintenant fluide. Oui. Bien, je veux que tu regardes ton système endocrinien. On va commencer par la pinéale et la pituitaire, mais également tout son système endocrinien. Comment le vois-tu globalement? En décalage et sous régime. Très bien. Alors, qu'est-ce qui provoque ce décalage? C'est des traumatismes. Des traumatismes liés à des chocs de basse fréquence qu'elle génère elle-même, mais qui sont des conséquences des interférences. Bien, alors à part ces traumatismes, regarde ce qu'il y a d'autre à éliminer. Leurs échos et résonances. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà, donc on va réinformer, stabiliser chacune des parties concernées. Oui. Connecté au cardiaque, cœur de Gaïa, essence. Oui. Apporte d'énergie et de vitalité. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Comment est-ce que tu vois maintenant tout son système endocrinien? C'est correct maintenant. On regarde spécifiquement la glande pénéale et la pituitaire. Elles se sont rééquilibrées. Des réinformations sont faites, c'est correct. Bien. Alors, on va s'occuper de la pinéale, sachant que maintenant, elle produit donc la valentonine, qui permet le rééquilibrage des cycles, de tous les cycles biologiques, et également une auto-guérison. À combien est-ce qu'elle produit pour l'instant sa valentonine? Quel 37%. 37%. Donc, tu l'as monté à 100%? Oui. Voilà, et tu la programmes pour se produire en fonction des besoins de sa physicalité. Oui. Voilà, stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Bien, on va regarder son système digestif et métabolique. Comment le vois-tu? C'est en déséquilibre, là aussi. Il n'y a pas suffisamment d'énergie qui circule. Tu vois des choses à éliminer? Là aussi, il y a des traces traumatiques avec leur résonance. Alors, on élimine également. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. On réinforme et on stabilise. Oui. Connecté au cardiaque, cœur de Gaïa, essence. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Comment tu vois son système maintenant digestif et métabolique? L'énergie et les informations circulent correctement à présent. Bien. Je veux que tu vois son système circulatoire, sanguin, lymphatique et énergétique. Les trois sont en ralentissement général. Ok. Alors, de quoi est-ce qu'ils ont besoin? D'un apport d'énergie vitale spécifique. Équilibrante. Mais auparavant, il faut terminer d'éliminer des traces traumatiques avec leur résonance. Très bien. Alors, on élimine. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Voilà, maintenant, tu fais ce qu'il faut pour chacun des trois systèmes. C'est fait. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Est-ce que tu vois qu'autre chose devrait être faite? C'est bon. Bien. Alors, on va regarder maintenant au niveau donc l'arthrose. On a vu de quoi c'était dû. Est-ce que tu vois que c'est résolu? Regarde ton système osseux et articulaire. Je pense que c'est résolu. On ne va pas revenir dessus. Tout est correct maintenant. Voilà. Elle a bien compris que tout ça, c'était les conséquences de cette situation ancienne. Mmh. Alors, addiction au café, au sucre, à la télé, enfin, toutes sortes d'addictions. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit sujette à toutes ces addictions? Ce sont des programmes de réaction qui sont installés en elle. Ils sont installés où? Au niveau de son corps émotionnel, mais aussi dans le système nerveux central, dans le système neuronal. Conscience cellulaire? Oui. Donc, on va dire que partout où c'est installé, on élimine. Est-ce que dans son ADN, tu vois des programmes également?
Non, pas dans l'ADN. Ok, alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et elle va réinformer chacune des parties. Et pour ça, le mieux, c'est qu'elle prenne conscience de sa connexion avec la source. Et elle va faire descendre une énergie de paix, de tranquillité, de complétude. Oui. Voilà. Donc, que toutes les parties concernées soient emplies de cette complétude. Oui. Comment est-ce que tu la vois maintenant ? Calme et sereine, apaisée, tranquillisée. Alors, elle va y rajouter aussi de l'amour, de la joie. Oui. Voilà. Donc, tu stabilises, sécurises et pérennises. C'est fait. Alors, sommeil perturbé, tel qu'elle l'a décrit. Donc, bon, on est intervenu sur la glande pinéale avec tous ces cycles. Est-ce que tu vois que sur cette nouvelle ligne de temps, il y a encore d'autres choses à faire? Non, c'est stabilisé maintenant. Parfait. Donc, on ne va pas y revenir. Hein. C'était les conséquences de tout ce qui a été vu. Hein. Mm-hmm. Donc, oui. Perte de mémoire, est-ce que tu vois que maintenant c'est réglé, sachant que c'est aussi des mêmes conséquences? Ça s'est rééquilibré aussi. Rééquilibré, d'accord. Donc, en ce qui concerne la magie noire, est-ce que tu vois que maintenant, il n'en reste plus rien? D'abord, est-ce que tu vois qu'il y a eu de la magie noire pratiquée contre elle? Alors, il y en a eu, mais pas... pas autant qu'elle pense, c'est comme une cascade. C'est-à-dire qu'il y en a eu en partie, et ensuite il y a eu comme un effet boule de neige qu'elle a alimenté elle-même, mais sans le vouloir, par un amoncellement et une compression de basse fréquence. Tu veux dire à travers leurs émotions, à travers des peurs, etc. Oui. Ok. Donc là, tu confirmes qu'il ne reste plus rien. Hein? Il reste des mémoires flottantes encore, hein, traumatiques. Ok, alors on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose? Maintenant, non. Bien. Donc, des problèmes d'argent, hein, voilà, c'est un peu compliqué pour elle. Regarde, qu'est-ce qui se passait? C'est la résultante sur le plan physique hein, ou le reflet sur le plan physique de ce qui se passait d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire le blocage et l'immobilisation. Le fait que ces énergies soient bloquées et accaparées. Est-ce que tu vois que maintenant ça circule librement et joyeusement? Maintenant c'est fluide et ça circule, oui. Parfait. Et puis elle s'ajoutera une programmation tout à l'heure. Donc, elle a fait des tentatives de suicide. Bon, on ne va pas revenir dessus. Je pense que c'est les conséquences. Il y a des choses que tu veux dire par rapport à ça? Ce sont des tentatives d'échapper aux interférences. Voilà. OK. Sauf que dans cette situation, c'eût été un effort vain. Ça aurait renforcé encore plus les interférences. Eh oui, bien sûr. Bien, eh bien, écoute, tu vas regarder son corps mental. Je veux que tu vois toutes les programmations limitantes et toutes les croyances limitantes qu'elle a développées à partir de ça. Il y a des couches épaisses de programmations successives sur le corps mental qui sont lourdes, limitantes, occultantes, qui viennent la gêner dans tous les aspects de sa vie. Parce que ça vient créer comme une sorte de poids qu'elle a apporté et qui ne lui appartient pas. Quelles sont les croyances qu'elle a développées à partir de tout ça? Qu'elle doit faire des efforts démesurés pour pouvoir continuer à fonctionner dans son incarnation. Bien, ce qui était en partie vrai compte tenu de cette ancienne situation. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps, qu'en pense maintenant toutes ces autres parties, au vu de ce qui a été dit, entendu et intégré?
Et compris. Ce ne sont que des programmations avec leurs illusions de lourdeur et d'incapacité. Elle perçoit maintenant qu'elle peut facilement les balayer, les dégager. Bien, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Oui. Regarde s'il en reste quelque chose. Il reste des habitudes de fonctionnement, des empreintes traumatiques avec des résonances. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et au niveau des habitudes de fonctionnement, en ce qui concerne la personnalité, elle a toutes les informations maintenant pour voir certaines habitudes tranquillement et les changer progressivement. Sans se prendre la tête, bien sûr. Hein. Il faut que ce soit tranquille. Je veux qu'on aille maintenant sur l'ancienne ligne de temps et que tu regardes ton corps émotionnel et que tu vois toutes les émotions et les sentiments qui étaient liés à cette ancienne situation. Il y a une sorte de fatigue émotionnelle et mentale aussi, les deux sont liés. Une sorte de dépression sous-jacente, de fatigue, de lassitude, de dépréciation d'elle-même. Il y a des moments de rébellion et de colère aussi, mais qui sont aussitôt suivis d'une sorte de poids immense, anxiogène, qui s'abat sur elle et qui l'empêche de réagir. Ça vient comprimer et appuyer sur tout le corps émotionnel. Ça lui prend beaucoup d'énergie et ça détruit l'image qu'elle a d'elle-même. Ça génère une mauvaise image de ses capacités. C'est bon ? Mmh. Bien, on va regarder maintenant du côté des cinq blessures principales qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles sont prédominantes chez elle et comment s'expriment-elles ? Il y a ce ressenti d'être seule et abandonnée dans l'incarnation, de devoir se débrouiller seule parce qu'il y a ce ressenti de la partie physique, d'avoir été trahie par le soi supérieur, ce qui n'est pas le cas, mais il y a ce ressenti puissant là d'être seule et de devoir se débrouiller seule parce qu'elle a été trahie. Il y a le ressenti de l'injustice de ses conditions d'incarnation et l'humiliation aussi en arrière-plan de ne pas pouvoir surmonter ce qu'elle considère comme être des conditions d'incarnation injustes. Elle a mis en place tout un système de protection pour pouvoir continuer à fonctionner dans l'incarnation, comme une sorte de gang de protection qu'elle s'est installée autour d'elle, mais qui, paradoxalement, la coupe de ses perceptions, de ses ressentis et la coupe de sa propre puissance. Ça vient en fait l'affaiblir. Au départ, l'intention était de se protéger elle-même, mais ça génère un affaiblissement puisqu'elle est coupée de ses propres capacités. Donc c'est une sorte de fuite en avant tout en se protégeant. Du moins ce qu'elle pense être une protection, mais qui en fait se retourne contre elle. C'est bon. Bien. Alors je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps, pour que tu aies les compréhensions et les tenants et les aboutissants de comment tu fonctionnais auparavant. À présent, tu as les précieuses informations. Donc, sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose ? Il reste des habitudes de fonctionnement, des traumatismes avec leur résonance, des échos aussi. Bien. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et en ce qui concerne les habitudes de fonctionnement, comme je disais, tu as toutes ces informations. Maintenant, tu seras en observatrice tranquille, voir ce qui peut revenir, tu vois, et que tu modifies comme ça, tranquillement. Bien. Alors, à présent, elle va prendre conscience de sa connexion avec la source par son intention
et par l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque. Elle en a tout le ressenti, toutes les sensations. Oui. Et chacune des cellules de son corps s'illumine, donc s'enflamme, s'éveille, vibre, rayonne, irradie, pétille. Oui. Et les particules de lumière à l'intérieur, sur et autour d'elle également. Oui. Comment la vois-tu à présent ? Il y a un apaisement qui est là maintenant. Une sensation de plénitude intérieure. Une sensation de sécurité. Sécurité, apaisement, ça lui apporte une sensation de joie profonde et de plaisir aussi d'être là dans l'incarnation. Alors qu'elle prenne le temps de ressentir tout ça, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle va installer une programmation selon laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est là, toujours en permanence. Oui. Et elle va ajouter aussi cette programmation à sa bulle de réalité et dans toutes ses bulles de création, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient familiales, qu'elles soient matérielles, enfin chaque bulle, chaque secteur de son existence en tant qu'humain. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous appelons communément la séparation, qui se vit bien souvent pour la plupart comme un traumatisme. Comment ça se passe pour elle dans ces nouvelles conditions ? Elle garde l'intention ferme et la volonté puissante de toujours garder présente en elle la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine, quels que soient ses types de manifestations, d'incarnation, quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Bien. Et je rappelle que la mémoire de ce qu'elle est, c'est la nature divine, indestructible, éternelle, toute puissante, à qui tout est possible. Et voilà. C'est important de se le rappeler. C'est la clé essentielle pour tout le monde. Bien. Que ressent-elle au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant elle, en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Marie-Claude? Il y a de la curiosité, une certaine impatience, du plaisir d'anticipation, d'expérimenter tout ce qui se présente devant elle là, comme situation. Bien. Alors qu'elle le ressente pleinement également, qu'elle l'apprécie, qu'elle le savoure. Oui. Elle le rajoute à sa programmation. Oui. Voilà, stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Et le ramène ici et maintenant, comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, toutes ses parties. Oui. Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, une harmonie, une intégration et un fonctionnement parfait, et l'amour qu'elle est. Oui. Elle ressent le sentiment de légitimité. Oui. Celui d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse. Oui. Et enfin, le sentiment de sa propre valeur, quels que soient les choix, quels que soient les résultats, des passés, présents, futurs. Elle sait que tout est juste, que tout a sa fonction utile. Tout est une occasion d'apprentissage et d'expansion et de plaisir à terme. Oui. À présent, elle passe par chacune des vies qu'elle a vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, en ressentant cet amour qu'elle est pleinement par nature. Et chacune oui. d'elles se reprogramme. Oui. Elle revient ici et maintenant, la boucle est bouclée. Elle est là. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Bien. Comment la vois-tu à présent ? Elle est remplie d'une énergie puissante, stable, lumineuse. C'est sa propre énergie vitale qui s'expanse. C'est sa flamme intérieure qui brille.
Ça lui apporte de la joie, du plaisir et de la sérénité. Une grande plénitude. Un sentiment de plaisir et de joie d'être là présente, ici et maintenant, dans cette incarnation. C'est bon. Très bien. J'aimerais revenir sur une chose par rapport à ces points. J'ai noté tout à l'heure que lorsqu'elle a parlé de son accident, lorsqu'elle s'est cassée la jambe droite, elle a prié Marie. J'aimerais savoir ce qui se passe. Donc, je suppose qu'elle a l'habitude de prier Marie et peut-être d'autres, simplement pour son information. Qu'est-ce qui se passe quand elle prie Marie? Je parle de l'ancienne ligne de temps, bien sûr. Ça la rattache à un égrégore. Et quelles sont les conséquences? Il y a comme un effet d'aspiration, comme une sorte de trou dans l'énergie. Aspiration, trou d'énergie, comme un trou d'air. Voilà. Donc, il était important que je vienne là-dessus pour que tu comprennes que tout ce qui est, voilà, on va dire religion, tous ces conditionnements, ce sont des conditionnements matriciels, de la fausse matrice, hein, et ça connecte à l'extérieur de toi et jamais dans ce qui est bon pour toi. Alors, la clé, c'est de te connecter à ta source, à toi. Hein, tu pries, tu sollicites toutes les parties de toi jusqu'à la source et rien ni personne d'autre. Voilà, c'est une garantie pour ne pas redonner ton énergie et ne pas te faire te parasiter. C'est très important. Ça peut être un peu difficile si tu es habitué à appeler Jésus, Marie, Joseph, mais bon, voilà, c'est une habitude aussi à revoir. Bien, on va passer aux invitations. Alors, pour les invitations, elle a nommé ses trois enfants et son petit-fils. Oui. Son ex-comte Marie. Oui. Voilà, les amis auxquels elle pensait, en particulier l'ami masculin. Voilà. Oui. Tout le monde est venu? Oui, tout le monde est là. Donc, elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de profiter de cette opportunité. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? Oui. Avant cela, accepte-t-il un petit coup de pouce? Oui. Alors, puisque j'ai leur permission, en leur nom, je vais pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archiavélique. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et dans tout ce qui est connu et inconnu en général. Je compte à trois et tout disparaît totalement. 1, 2, 3 pour tout le monde. Oui. Chacun se place dans une bulle christique de protection, secret des racines, jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence. Se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Marie-Claude pour elle-même, adapté bien sûr chacun à sa propre situation. Oui. Et continue sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. Oui. Tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. Bien. Alors, pour les désincarnés, elle a nommé sa grand-mère maternelle. Alors, j'aimerais que tu me dises sur quel point, sur quel plan tu la vois et dans quelle situation. Elle est sur une sorte de sentier où elle monte des marches, mais c'est des marches plates et larges. Il y a une sorte d'atmosphère étrange, un peu irréel et légèrement anxiogène aussi, puisqu'elle ne sait pas où vont ces marches, où va ce chemin. Mais il n'y a que celui-ci, donc il y a comme une obligation d'y avancer. D'accord. Et toi, si tu regardes l'issue de ce chemin, de ces marches, ça mène où ?
Il y a des ramifications, mais chacune d'entre elles se dirige vers une incarnation. D'accord. Donc, ça lui donne le sentiment d'avoir le choix, mais en fait, elle mène tout à Rome, quoi. Hein? Bon, ok. Identifie-la, regarde son ADN éthérique, confirmant qu'il s'agisse bien de sa grand-mère maternelle. Oui, c'est elle. Tu peux communiquer avec elle? Oui. Alors, tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et surtout, qui nous envoie, et demande-lui si elle veut un coup de main. Oui. Alors, on la connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touchée en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle? Une montée en fréquence qui se passe immédiatement et qui dissipe cette anxiété latente. Ça lui permet de prendre de l'altitude, en quelque sorte, par rapport à ce chemin, de la hauteur par rapport à sa situation. Bien. Alors, demande-lui ce qu'elle veut faire maintenant. Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute liberté, souveraineté et sécurité? Remonte à la source. Alors, dis-lui que pour en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et elle libère tout et tous. Oui. Il ne reste rien? Non. Alors, avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer et dire quelque chose à Marie-Claude? Et puis à tous ceux qu'elle aime, hein, si... On lui envoie un message d'amour, mais c'est quelque chose de léger. C'est comme une enveloppe fermée et qui peut être ouverte. Et là, il y a comme c'est comme des notes de musique, c'est des fréquences en fait que je perçois comme des notes de musique qui sont d'amour et qui sont comme des extraits ou des fragments de fréquences de là où elle se trouve maintenant. Est-ce qu'elle a été impactée là où elle était par rapport à ce qu'on a fait sur l'arbre généalogique? Oui. Dans quel sens? Au lieu d'être engluée dans le chemin dans lequel elle se trouvait, elle s'était mise à flotter au-dessus. D'accord. Donc, ça impacte tous les incarnés et désincarnés de la lignée, alors? Oui. Ok. Très bien. Est-ce que c'est bon pour elle? Oui. Alors, nous allons la saluer. Oui, elle est partie. Bien. Et maintenant, on va regarder sa mère. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Elle est dans une sorte d'immobilité bloquée entre deux couches fréquentielles. Bien. Ok, tu peux communiquer avec elle? Oui. Alors, tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et surtout, qu'elle voit qui nous envoie. Et demande-lui si elle veut un coup de pouce. Oui. Alors, on la connecte elle aussi, directement à la source, pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touchée en plein cœur et dans sa conscience, qu'est-ce qui se passe pour elle? Ça s'allège tout de suite. Ça produit une montée en fréquence qui dissipe ces couches rigides, ces couches fréquentielles rigides dans lesquelles elle était enfermée. Qu'est-ce qu'elle compte faire maintenant? Demande-lui, est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute liberté, souveraineté et sécurité? Remonte à la source. Alors, pour elle aussi, également, dis-lui qu'il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et elle libère tout et tous. Oui. Il n'en reste plus rien? Non. Alors, est-ce qu'elle veut s'exprimer
Donc, envers Marie-Claude, avant de remonter. Il y a l'expression du merci, du soulagement. Elle vient l'entourer. Il y a la signature de son énergie, légère, aimante et puissante, qui vient l'entourer et qui remonte. Eh bien, nous la saluons également. Elle est partie. On revient à Marie-Claude ? Oui. Regarde si elle a des liens toxiques, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. Oui. Alors, on coupe tous les liens toxiques et on dissout toutes les racines. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Est-ce que tu envoies d'autres ? Oui. Allez, idem. 1, 2, 3. C'est fait. Envoies-tu d'autres ? Il y en a encore quelques-uns en arrière-plan. Allez, idem. 1, 2, 3. Là, c'est bon, c'est fait. Il n'y en a plus d'autres ? Non. Bien. On va couper tous les liens également de ces noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. On coupe et dissout les racines. 1, 2, 3. Oui. Est-ce que tu en vois d'autres ? Non. Alors, couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, donc des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc., sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et comme il y a eu de la magie, donc on va désactiver, couper tout ce qui est en lien avec des photos, des films, n'importe quel support. D'accord ? Mm-hmm. En lien avec elle. 1, 2, 3, sur tous les plans. C'est fait. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. Et de son espace moronciel, elle récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double limuscate activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre, qui est, je le rappelle, le point zéro qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. C'est fait. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut recevoir dès maintenant et toi également. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de l'ambition respective, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui le nécessitent. Elle place sa conscience dans l'espace moronciel. Oui. Et pour chacune d'elles, elle fait descendre énergie, code et information originelle. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double lémniscate activée. C'est fait. Et à présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, et sur son corps comme un lifting. Oui. Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui.
À présent, je veux que nous revenions sur son ADN, avec ce qui a été fait jusqu'à présent. Combien comptes-tu d'hélices maintenant? Combien sont activées et connectées? Connectées et activées, pardon. Il y en a 6 de connectées et 5 d'activées. Est-ce qu'elle peut activer la 6e? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. C'est des programmes de soutien, d'activation et de déploiement de nouvelles lignes énergétiques. C'est bon. Alors, elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issu de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? Entre 9 et 14 mois. Entre 9 et 14. Est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Oui, des sensations de bien-être, de lâcher prise, de soulagement, légèreté. Bien. Alors, est-ce que tu vois des inconforts durant ce processus de métabolisation, durant ces 9 à 14 mois, plus ou moins, suivant bien sûr la qualité de ses compréhensions et de ses attitudes? Oui, il y a des moments où c'est comme si l'ancienne situation énergétique revenait avec des sensations de lourdeur, d'anxiété, de blocage. Ça correspond aux phases de la métabolisation où le mental est à la recherche de ses nouveaux repères. Il se raccroche aux anciens parce qu'il n'a pas encore établi complètement les nouveaux repères. Bien, alors on va faciliter ces nouveaux repères. Nous allons dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie et dans sa meilleure version. Comment se sent-elle? Bien. Pleine d'énergie. Ça rayonne maintenant. Son énergie rayonne. Ça lui apporte du plaisir et de la satisfaction. Il y a cette énergie de réalisation qui est là, de mise en œuvre concrète. C'est plaisant. Alors, qu'elle prenne le temps de ressentir tout ça, de l'apprécier, de le savourer, de le déguster. Oui. Et elle le ramène ici et maintenant, comme un téléchargement, toutes ses parties d'elle. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, toutes ses parties. Et pour chacune d'elles, ça devient le nouveau repère. Ça devient le connu, voire même une habitude qu'elle programme dès maintenant. Oui. Ah, tu stabilises, sécurises et pérennises cette programmation. C'est fait. Bien. Et en ce qui concerne la personnalité, Marie-Claude, tu le sais, hein, je le dis à chaque fois, mais bon, quand tu auras l'impression que les choses reviennent comme avant ou s'empirent, ce sera le moment de te souvenir que c'est naturel, c'est le travail qui sait. Et puis tu resteras sereine, confiante, plus calme, et pourquoi pas dans la gratitude pour toutes les parties de toi qui font le travail, plus ça ira vite et mieux ça s'intégrera. Voilà. Souviens-toi que tu es entièrement créatrice de ta réalité, et c'est ton attitude qui fait la différence. Bien, on va regarder son domicile. Comment le vois-tu? C'est mouvementé d'un point de vue énergétique. Il y a des courants énergétiques dissonants qui passent. Bien, d'où est-ce que ça vient? C'est lié à elle, à son ancienne situation énergétique, aux mémoires du lieu aussi. J'aimerais que tu regardes les sous-sols, que tu me dises si tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Il y a des courants telluriques qui amplifient cette situation-là. D'accord. Donc, on va le faire sous la maison, mais également sous les terrains, si ça passe sous les terrains. D'accord? Qui lui appartiennent. Donc, tu vas faire une dalle suffisamment épaisse, voilà, avec des évacuations qui ne laissent pas l'énergie stagner, et qui vont s'évacuer au-delà, bien sûr, de toute habitation pour ne polluer personne. Oui. Et tu le programmes pour être stable et, bien sûr, pérennisé, indestructible. Oui. Voilà. À présent, elle va faire une puissante tornade et elle nettoie tout à l'intérieur et à l'extérieur, y compris sur les terrains.
Elle nettoie la mémoire des murs également. Elle nettoie tout ce qu'elle contient, meubles, objets, etc. Un nettoyage total de printemps. C'est fait. Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double les muscades activées, sécurisées. Oui. Sur son compteur électrique, elle met un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Par-dessus, fleurs de vie, graines de vie et double les muscades activées. C'est fait. Sur tous ses plafonds, elle installe un gros boîtier qui va filtrer l'air et une nanotechnologie. Oui. Produit par ailleurs un puissant effet Niagara, régénérant et rafraîchissant, qui favorise un sommeil profond, récupérateur, équilibré, avec un son et un parfum qui se module. Oui. Et tu sécurises. C'est fait. Elle remplit tout son espace de sa propre présence et de son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle cristalloprotection et elle également. C'est fait. À présent, tu vas programmer les protections des différents états de conscience et tu sécurises. Oui. Relier le début et la fin de la séance et tu sécurises également. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de la fin de métabolisation complète, totalement réussie et dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elle vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. À l'intérieur, sonde élémentale. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle met tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Voilà. Donc là, elle met ses programmations, elle met tout ce qu'elle veut. Hein. L'abondance, etc. Par-dessus, fleurs de vie, graines de vie et double les muscades activées. Oui. Autour, le corps diamantin, en protection contre les influences de la conscience collective et tu sécurises. Oui. Nous sécurisons à présent toute la phase de métabolisation et toute la séance, du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, dans tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, et sur les plans fractales, multidimensionnels et quantiques, et donc dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Que chacune soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Et enfin, nous installons la programmation selon laquelle, lorsque ce sera le moment de quitter son corps, elle le quitte en toute sécurité, souveraineté et liberté, quelle que soit la situation, qu'elle remonte à la source ou qu'elle décide de continuer son chemin. Oui. Voilà, tu sécurises, pérennises cette programmation. C'est fait. Maintenant, on va demander au sens supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la connexion directe, libre et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique. A-t-il des conseils à donner ? Oui, que la partie physique fasse confiance en ses capacités de connexion, qui sont innées, qui sont là, présentes, à sa disposition, et qui sont activées par son intention de se centrer, son intention de s'aligner, son intention de connexion. Simplement. Bien. Comment est-ce que tu vois son âme, maintenant ? Elle s'est déployée comme défroissée, déployée. Elle flotte libre et légère. Et sa partie subliminale ? Elle s'est énergisée et rapprochée de la partie physique. Elle crée les communications, les canaux de communication entre les différentes parties d'elle-même. Bien, donc le soi supérieur n'est plus englué dans le monde archaïque, hein. On est d'accord ? Non. Il est parfaitement libre. Mmh. Oui. Mmh. Qu'est-ce qu'il a ressenti en étant coincé sur le plan archaïque ? Une sensation d'immobilisation, une frustration de ne pouvoir communiquer avec la partie physique incarnée. D'accord.
Le soi supérieur peut ressentir de la frustration. Quand il est là, dans ce type de situation-là. Oui, parce qu'il est descendu en basse fréquence. Mmh. Et oui. Bon. Très bien. Eh bien, ça va être la fin de la séance. On va les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement. Hein, plus de Jésus, Marie, Joseph. Je me moque. Et dans cette nouvelle version de Marie-Claude, en ce jour de renaissance pour elle. Par rapport à la maison, je voulais signaler que j'ai, comme tu as vu tout à l'heure, j'ai une petite locataire, j'ai des étudiants, tu vois, c'est, puisque la maison était grande, que j'avais des enfants, et par rapport aux gens que, à qui je loue, est-ce qu'ils peuvent encore avoir une influence? Enfin, il y a deux messieurs c'est en nettoyé. Bas qui sont pas... Donc, c'est nettoyé. Ça, il n'y a pas... Non, non. Ok. Voilà, c'était tu coupes tout, le son. Et puis, alors, pas d'intervention pendant la séance, s'il te plaît. Est-ce que je peux supprimer mes appareils? Non, mais tu coupes, s'il te plaît, on reparle après. Pendant la séance, je veux pas d'interruption. D'accord. Merci. Est-ce que c'est bon, Emmanuel? Mm-hmm. Voilà. Donc, nous en étions que... tu vois, c'est pas bon de couper comme ça. Donc, nous en étions à... C'était quoi déjà? Ah oui, la nouvelle version d'elle-même. Hein. Alors, ce jour de renaissance. Voilà. Mm-hmm. Alors, est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Ok. Alors, chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous ces taux et autres de fréquences composées de sons, lumière, couleur, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activé. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Voilà. Atome mère également. Oui. Particule de lumière mère idem. Oui. Et on termine par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Voilà. Et donc, suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Marie-Claude avant la séance et quelle était la présent? 54 et maintenant 175. Ok. Alors, chacun est invité à sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Bien. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou, comment te sens-tu? Bien. Bon, allez à nous, Marie-Claude, tu peux remettre le son. Voilà. Maintenant, tu peux t'exprimer. Écoute, merci, un grand merci. Mille merci. Parce que j'attendais ça depuis longtemps. Hein. Et effectivement... plus ça allait, plus je m'en lisais, comme je disais. Bon, je résistais encore, je tenais parce que, je ne sais pas, je ne sais plus ce qui me tenait à la fin, mais bon. Ça n'allait pas en s'améliorant, ah ouais. Ça c'est sûr. Là, vraiment, ah ouais. Ah oui, 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 oui. Ça t'a parlé tout ce qui a été vu et entendu? Est-ce que tu as senti des choses? Ah est-ce oui, que... c'était une justesse. Et le soin vraiment impeccable, quoi. Ça correspondait bien. Et je sentais l'effet du dégagement. Hein. C'était vraiment juste. Voilà. Pas d'autres mots. Bon, en tout cas, tu connais mon conseil hein, de revoir ta vidéo. Tu sais à quel point c'est utile et important. Ça va être enregistré là sur le... Je te dirai à la fin. D'accord ? On en parle après. Et puis, voilà. Oui, donc, l'histoire de Marie, là, mais même, tu vois, ma mère avait quelques dons de guérison, enfin, moi aussi, vraiment, elle avait d'ailleurs un peu piqué sur moi aussi, elle avait une prière, justement, à Marie, et elle arrivait à,
faire soulager les gens, quoi. Oui, mais ça, tu oublies, hein. Oui, j'oublie. Oui. Mais j'ai bien compris. Ouais. Parce que tu vois, descendre de mon mur, c'est vrai que c'était un peu dangereux. Là, c'était, comment on dirait, tentative. J'étais grimpé sur le mur pour élaguer un peu le tilleul, là. Et d'ailleurs, le mur, il s'est effondré, là, en partie, là, il n'y a pas longtemps. D'accord. Deux ou trois semaines, oui. J'ai plus qu'à le remonter. Bon, mais juste le jour de l'Assomption, j'ai dit, ça craint, là, quand même. Bon. Quelle descente, le jour de l'Assomption, hein. On efface tout ça et voilà. Je ne me fie qu'à moi-même. Voilà, exactement. Tu as tout ce qu'on cherche à l'extérieur, en fait, nous l'avons à l'intérieur. Le tout simplement de le reconnaître, de le savoir, de le reconnaître et puis de le solliciter, c'est tout. Hein, on a tout en soi. Voilà. Et tout ce qui te fait croire le contraire, tu balayes. Voilà. Ah, pas besoin. Oui, ce grand sentiment d'insécurité. Voilà. Mais de temps en temps, je me disais, de toute façon, Dieu est là. Mais, j'avais eu, par rapport à un rêve, il y a très très longtemps. Hein, non, mais on va arrêter là, parce que... On va arrêter là, de toute façon. Et où je voyais l'eau qui montait, tu sais, l'eau qui montait, et dans Poitiers, sur le centre-ville. Et puis moi, je me retrouve un petit peu à la périphérie, mais juste au bas. Et finalement, je partais vers Limoges, là, parce que je dis, il faut aller vers la montagne. Et je vais en cours de route, sur le bord, là, à gauche, je vois une maison, une ferme. Je me dis, mes parents avaient une ferme, d'ailleurs. Et donc, je vais voir les gens et puis ils me disent bon. Et puis j'essaie de les convaincre. Et puis, comme je vois que j'arrive pas, j'ai dit ah non, moi je file. Hein, il est temps, on me dit ça urge, je reprends mon chemin et puis je vais sur la colline. Mais je me dépêche, mais est-ce que je vais y arriver? Et puis j'entends une voix qui me dit de toute façon, il y aura toujours un refuge pour les enfants du bon Dieu, il y a toujours une place, un refuge. Pour les enfants du monde. Bon, voilà. Mais bon. Oui, c'est un rêve. Alors, ce refuge, voilà. Il est à l'intérieur de soi, il n'est pas à l'extérieur. Bon, j'espère qu'on aura des nouvelles par mail, si tu veux bien nous dire comment les choses bougent pour toi, hein, quand tu voudras. D'accord. Hein, nous donner des nouvelles, de dire que voilà, tout ce qui a bougé, tout ce qui, qui change, qui évolue. Oui. Et puis, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Donc, ta vidéo, on la publie comment, en clair ou en flouté alors? Flouté. En flouté, hein. D'accord. Oui. Bon. Eh bien, écoute, bonne métabolisation, hein. Et puis, bonne journée et à bientôt pour les nouvelles. Et ben, très heureuse la journée. Oui, ce matin, j'ai prié en disant bon, c'est une journée de réalisation. Voilà. Et voilà, belle réalisation. Merci à toi, merci à Emmanuel. Merci. Et à bientôt pour les nouvelles. Merci Emmanuel. Au revoir.